C'est à vous la suite. À notre table ce soir, une star du violon, un soliste à la carrière éblouissante, demandé dans toutes les plus grandes salles du monde avec 150 concerts par an, 164 en 2019 et une première apparition à la télévision à 15 ans. Oh mon Dieu. Renaud Capuçon a 15 ans et il est violoniste. Il donne ce matin son premier concert devant le public et il nous interprète un tube, l'humoresque de Dvorak. Bravo. Bonsoir. Très heureuse de votre présence ce soir à l'occasion de ce mouvement perpétuel, le récit de votre vie en musique, de votre coup de foudre pour le violon à 4 ans jusqu'à votre carrière de soliste internationale. Vous ne parlez pas dans ce livre bizarrement de cette première télévision ? Non, on ne peut pas parler de tout. Vous savez, le but, c'était de parler plus des rencontres, c'était de grands musiciens. Je fais beaucoup de portraits, en fait, d'amis, de gens que j'estime, que j'admire. Des professeurs, et, oui, j'avais pas revu cette archive. Vous en avez gardé quel souvenir ? Je ne sais pas. Je me souviens très bien de Jacques Martin. Il m'avait impressionné. Ah oui ? Il était très sympa. Il adorait la musique. Il était, Mélomane. Oui, ces gens-là manquent, je trouve. À la télévision. J'étais là, maintenant. Mais... bien sûr. Vous rêviez à cette époque de la carrière de soliste internationale que vous menez aujourd'hui ? Je ne rêvais pas d'une carrière de soliste international, je rêvais d'être sur scène. J'étais trop inexpérimenté de savoir ce qu'était une carrière. Je voulais simplement partager la musique, c'est tout en fait. Le meilleur violoniste au monde pour votre fils Elliot, 10 ans. Et j'aime le dialogue, 9 ans, et j'aime le dialogue que vous rapportez dans votre livre. Mais la musique, Elliot, c'est pas comme le sport, il n'y a pas de classement. On est une trentaine à occuper cette place de choix. Oui, mais dans les 30, c'est toi le meilleur. Il est génial, ce petit Elliot. Mais oui, mais parce que forcément, son père est toujours le meilleur. Quel que soit le métier de son père, mon père était le meilleur. Et donc, il me dit, t'es le meilleur violoniste au monde. Mais je voulais pas qu'il... Je voulais à la fois pas qu'il pense que j'étais nul, mais oui. Pas non, lui expliquer que c'était pas comme le sport. On n'est pas dans une compétition. Il y en a vraiment aucune de compétition? Ah ben si, il y en a dans beaucoup. Dans la musique classique, il y a beaucoup de oui. compétitions, mais elle n'est pas écrite. Il n'y a pas un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3. Il y a quelques magazines qui s'amusent à faire ça parfois. Alors vous êtes classé? Je sais pas, j'ai jamais vu. Non, franchement, en Allemagne, ils ont fait ça il y a quelques années, j'avais vu. Et ils font surtout pour les chanteurs et les chefs d'orchestre. Ça ne vous intéresserait pas de savoir où vous vous situez? Enfin, vous le savez, c'est vaguement, non. Mais dans les 30 meilleurs, voilà. Non, ce n'est pas une question de meilleur. Vous pouvez être excellent dans Mozart et pathétique dans Tchaïkovski. Ça, c'est pas mal, la pathétique de Tchaïkovski. Non, et puis vous pouvez être très bon dans Paganini et épouvantable dans Bach ou l'inverse. Donc, tout est relatif. Ce qui est sûr, c'est que vous devez avoir une hygiène aussi stricte que celle d'un champion sportif. Vous nous l'avez souvent raconté, mais j'ai redécouvert le protocole pour éviter de souffrir du décalage horaire. C'est quand même très strict. Pas d'alcool pendant le vol, pas de repas non plus pendant toute la durée du vol. À l'arrivée, vous allez courir dans une salle de sport, dîner léger, nuit complète, sieste syndicale avant chaque concert. Parce que vous avez réellement failli vous endormir de fatigue pendant... Ça m'est arrivé une fois, mais c'est arrivé à tout le monde. Ça nous est tous arrivé. Vous savez, quand vous avez 20 ans, vous faites votre premier voyage au Japon, vous n'avez aucune idée de la chape de plomb que vous prenez sur la figure. Vous êtes tout excité par le voyage, genre vous buvez un tout petit peu trop, enfin pas trop, mais vous buvez un verre de rouge, etc. Et vous arrivez déjà épuisé par le voyage. Vous ne dormez pas parce que vous êtes décalé, donc vous êtes épuisé par les deux nuits, etc. Et puis... Vous ne savez pas ce qu'est le décalage. C'est tout bête. C'est simplement l'expérience qui fait que j'ai appris. Mais donc votre tête tombait pendant le concert? Non, c'est pas. Les paupières étaient très lourdes, quoi. Vous savez, la concentration pour un musicien, en tout cas en ce qui me concerne, c'est la clé. Et si cette concentration, elle est un tout petit peu altérée par un phénomène de fatigue qui peut être le décalage horaire ou de manque de concentration, justement, pour certains concerts, moi ça m'est arrivé de, après avoir joué 5 ou 6 fois la même chose en tournée. Bah, au bout de 5 concerts, le 6e, vous êtes un tout petit peu plus cool, un peu plus léger. Et puis c'est pile à ce concert-là où vous êtes un peu moins concentré et que arrive le petit truc de mémoire ou le phénomène où vous voyez jouer. Mm. Ça, c'est le pire trac. Ça c'est pareil pour vous, je pense. Oui. Si vous n'êtes peut-être pas dans un état de concentration et que vous avez un texte à lire et tout d'un coup, vous voyez en train de lire ce texte, ça, c'est très désagréable. La même chose en cuisine. Ah ben voilà, vous voyez cuisiner. Et je me vois lire un des passages de votre livre que j'ai trouvé particulièrement savoureux juste avant de vous présenter notre chef du soir, Édouard Loubet. À la fin d'un concert, une dame vient vous voir. Plantée devant moi, elle me dit « C'est difficile, n'est-ce pas, Mozart ?» Ne me laissant pas le temps de répondre, elle enchaîne « Vous étiez fatigué dans Beethoven, non ?» Et ajoute « Et puis, j'ai pas du tout aimé Schumann. » Elle me salua et disparut. Ah, c'était extraordinaire. Elle était très charmante, je me souviens. Une quarantaine d'années. Elle est arrivée avec un grand sourire. Donc, je me préparais à avoir quelques compliments. Oui, et bon.
peut-être justifié ou pas, et je me suis pris cette espèce de râteau là dans la figure, ouais. et voilà, et j'ai dit merci, au revoir. Voilà, c'est drôle. Oui, franchement, c'est un des passages de cet excellent livre que je recommande, on va en parler longuement, mais ce soir, notre chef Édouard Loubet, comme hier soir, nous propose un fabuleux plat. Alors, je n'ai pas la, j'ai pas la description. Solilès. Voilé à la coriandre, avec des tagliatelles de pommes de terre Mona Lisa, huile de coriandre et dents de lion en salade. Merci, cher Édouard, le chef du domaine de Capelon dans le Vaucluse. Marion. Ce livre, extrêmement touchant, c'est aussi l'occasion de découvrir les œuvres, les airs qui ont marqué votre vie, comme celui-ci. Vous pouvez nous dire pourquoi vous l'aimez tant, cette méditation de Thaïs ? Alors d'abord, parce que j'ai découvert cette méditation au Grand Échiquier de Chancel, jouée par Anne-Sophie Mutter, ensuite par Augustin Dumay quand j'étais très jeune. Donc j'ai tout de suite voulu la jouer. Je l'ai jouée quand j'avais 7 ans, 6-7 ans. Ah oui ? Pas bien du tout à l'époque. Mais je la jouais quand même. Et puis, c'était le morceau préféré de ma grand-mère. Et ma grand-mère disait tout le temps, joue-moi l'air que j'aime bien. Elle ne connaissait rien à la musique et elle n'arrivait pas à se souvenir, enfin, elle ne se souvenait pas de Thaïs ou quoi que ce soit. Elle me disait, joue-moi l'air que j'aime bien. Et donc, j'ai joué jusqu'à sa mort et même le jour de son enterrement, j'ai joué cette pièce. Mais chaque fois que je retournais chez mes grands-parents, je jouais cette pièce pour eux à chaque dîner. Mes oncles... ils ont aimé à la fin, quand je jouais mieux, mais au début, c'était un peu la plaie d'entendre le gamin qui jouait la méditation de Thaïs. Saigner les oreilles, comme on dit. Mais je la joue très souvent et c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de penser à ma grand-mère. Et moi, à la mienne, un compositeur a particulièrement vos faveurs. Si je vous dis, il est la preuve que Dieu existe, on écoute. Jean-Sébastien Bach, une vie sans écouter ou jouer Bach, pour vous, c'est inconcevable ? Oui, Bach, c'est le... Je ne sais pas comment expliquer. C'est la raison d'être d'un musicien. Ses œuvres pour violon, c'est un peu la Bible. Alors, chacun a son langage. Bach, je trouve que c'est de la musique qui apaise, qui fait du bien. C'est une thérapie. On a souvent parlé de Mozart, qui fait du bien, même d'un point de vue scientifique, pour les malades. Bach... Je pense que c'est la meilleure thérapie pour les gens qui ont des problèmes de dépression, qui sont un peu fatigués. Moi, je m'en sers vraiment. Et on écoute souvent du Bach avec mon fils le matin, comme ça, quand je suis là le dimanche. C'est simplement comme un remède, je dirais. Et surtout, c'est tellement apaisant. Et puis, c'est le plus grand compositeur qui ait jamais existé. C'est lui qui a tout inventé. Et qu'on soit croyant ou pas, il y a quelque chose de divin chez Bach, vraiment. Mouvement perpétuel, évidemment, vous posez avec votre violon fétiche, on y vient dans un instant, le Vicomte de Panette, un violon que personne ne touche à part vous. Le luthier, bien sûr, c'est une question d'assurance. C'est simplement que s'il y avait le moindre problème, ça serait terrible. C'est comme si vous aviez un Picasso et qu'on vous disait, est-ce qu'on peut le toucher ? On n'y penserait même pas. Donc un violon, c'est vrai que souvent, on me demande, est-ce qu'on peut le prendre ? Et je dis malheureusement non, parce que c'est une œuvre d'art. Quoi. Même quand un président vous le demande, Jacques Chirac en 2001. C'était un violon magnifique aussi. C'était un violon mythique aussi. Et vous lui avez répondu quoi, Jacques Chirac ? En fait, on était dans un grand déjeuner de en Savoie, avec plein de skieurs et de sportifs. Et puis, il demande à voir mon instrument. On était en train de manger du fromage. Et voilà. Et donc, j'amène mon violon, il tend les mains. Et je lui ai simplement dit, excusez-moi, est-ce que vous pourriez vous nettoyer les mains ? Et là, il y a eu un silence terrifié de toute la table des skieurs qui se sont dit qu'il va être guillotiné dans l'heure. Et Chirac a explosé de rire et il était extraordinaire. Il a dit, mais bien entendu, il s'est essuyé les mains. Il a dit, mais mon ami Étienne Vatelot m'a souvent parlé de ses violons. Et il a expliqué aux skieurs qui, du coup, étaient en plus, du coup, ils étaient hébétés par le fait que le président... Jacques Chirac, il connaissait. C'est vrai que de la raclette sur un Stradivarius... Oui. Voilà. Parce que ce violon, c'était un Stradivarius, effectivement, de 1721, que vous avez gardé encore quelques années. Aujourd'hui, vous jouez sur un Guarnerius de 1737, un instrument exceptionnel que vous avez rencontré, parce que c'est le terme aussi que vous utilisez, il y a une quinzaine d'années, lors d'une séance de test. Racontez-nous ce qui s'est passé alors à ce moment-là. Vous essayez plusieurs violons. Il y avait ce Stradivarius que je jouais, de 1721, qui appartenait à Chrysler, un immense violoniste à l'époque. Il y avait un violon qui avait été celui de Menuhin, un autre Guarnerius, et le Guarnerius que je joue maintenant de Isaac Stern. Tout ça a été posé sur un lit, c'est une scène absolument incroyable. Et donc, dans une chambre d'hôtel, en Suisse, et je prends d'abord le violon de Menuhin, je fais quelques notes,
magnifique sonorité, mais une rencontre, mais pas un choc. Je reprends, comme quand on goûte du vin et de l'eau, je reprends mon Stradivarius que je connaissais bien, je fais quelques notes, et ensuite je saisis le Guarnarius de Stern, et là, c'était un miracle, c'était une vraie rencontre, j'en ai des frissons énormes, parce que les quelques, j'ai joué quoi, 15 notes, le début de la première sonate de Brahms, et il n'y avait rien à dire. C'était une rencontre entre... Amoureuse, hein, vous êtes tombée. Oui, une rencontre amoureuse. Non, c'était simplement que cette sonorité qui émanait de cet instrument correspondait à mon imaginaire. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce violon, par rapport... Il y a une voix. Il y a une voix, vraiment. Ce qui ne veut pas dire que les autres n'avaient pas de voix. Mmh. Mais cette voix correspondait, et correspond encore aujourd'hui, à cet univers qui peuple mon imagination et mon âme et qui fait que j'arrive avec cet instrument à exprimer ce que je veux. Ça, c'était en 2005. À l'époque, ce violon appartient à une banque qui vous le prête pendant plusieurs années. Ce violon s'appelle le Vicomte de Panet, du nom d'un de ses anciens propriétaires. Et aujourd'hui, le propriétaire, c'est moi. C'est vous. Voilà, je ne suis pas vicomte, je suis propriétaire. D'ailleurs, la tradition... Ça coûte combien, un violon comme ça? Ça coûte plusieurs millions. On s'endette pour... une vie et peut-être pour mes ancêtres ensuite. Vos descendants, oui. Mais, enfin, vos ancêtres. Oui, non, mes descendants, pardon. Plusieurs millions d'euros. Oui, et alors ça peut paraître étonnant. Souvent, j'ai cette discussion avec les chauffeurs de taxi, parce qu'ils me disent c'est un Stradivarius, bien sûr. Je dis non la plupart du temps. Mais je pense qu'il y a eu tout un débat sur les prix des instruments. Il n'y a pas de débat sur le prix d'un Modigliani, sur le prix d'un Picasso, et c'est des montants bien supérieurs. Mais ce sont des chefs-d'œuvre, ces instruments? Ce sont des œuvres, d'abord, qui étaient fêtées du vivant du luthier. Stradivarius, Guarnarius, avaient des commandes de toutes les royautés autour, et ils étaient extrêmement appréciés. Et aujourd'hui, la sonorité de ces instruments, bien sûr, il y a des instruments modernes magnifiques. J'ai moi-même commandé là, un instrument à un luthier qui est vivant à Paris, Charles Coquet, et j'attends cette copie qu'il va me faire de mon instrument. Mais c'est vrai qu'ils le reconnaissent eux-mêmes, ces luthiers modernes. Ils sont face à des génies. Donc on a tous rencontré des luthiers aujourd'hui qui rêvent un jour de pouvoir faire des violons qui ressemblent à cela. Vous avez joué Renaud Capuçon devant des centaines et des centaines de milliers de personnes au cours de votre carrière. Nous avons reçu l'un de ceux qui sont allés vous écouter, l'un de vos admirateurs, c'était vendredi dernier, c'est Fabrice Lucchini. Ah. Avant de partir, il a tenu à vous adresser quelques mots. À chaque fois que Renaud Capuçon vient me voir, je suis fasciné par sa simplicité, sa détermination, son énergie, son incroyable vitalité. Et je suis toujours extrêmement... ébloui. Évidemment, j'écoute son génie musical. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt, Renaud. Il y a de la musique aussi dans la façon dont Fabrice Lucchini parle. Oui, mais Fabrice, c'est un artiste tellement incroyable qui adore Bach. Et moi, je suis persuadé qu'il aime Bach parce que ça lui fait du bien dans le même sens que j'ai décrit tout à l'heure. Ça l'apaise. Ça l'apaise. Je suis sûr. Vous racontez un dîner particulier qui a changé votre vie, le 1er avril 2008 au ministère de l'Agriculture. Si vous aviez su ce soir-là que vous alliez rencontrer la femme de votre vie, vous n'auriez pas porté cette horrible, atroce cravate rose. Ça, mais c'est le regret de votre vie. Je l'ai gardé, hein. Je l'ai montré à mon fils il n'y a pas longtemps, il m'a dit « Papa, t'as pas mis cette cravate, c'est pas possible ». J'ai mis la seule fois de ma vie où j'ai mis une cravate rose, c'était le jour où j'ai rencontré ma femme. Comme quoi. Je n'ai jamais pu porter ensuite. Mais ça, c'est anecdotique. L'histoire, c'est que voilà, on s'est rencontrés à ce dîner chez Michel Barnier, qui était ministre de l'Agriculture, qui avait organisé un dîner de Savoyards. Donc, il y avait Jean-Claude Killy, Jacques Vera et plein d'autres Savoyards. Et puis, voilà. Cette rencontre incroyable avec une journaliste qui partage votre passion de la musique, Laurence Ferrari, et qui était présente hier, évidemment, lors de la présentation à la presse de votre statue de cire au musée Grévin. Laurence Ferrari qui s'est confiée à Camille Ballant. Renaud Capuçon entre à Grévin, musique. Merci. Je peux regarder de près? Vous pouvez, et merci encore d'avoir pris le temps de rencontrer toutes nos équipes. Comment il est alors ce Renaud Capuçon en cire? Honnêtement, il est assez impressionnant. Je regarde tous les petits détails que je connais, tous les petits défauts que je connais. Et il lui ressemble vraiment, c'est très troublant, vraiment. Et vous habitez chez vos parents? Vous le ramèneriez à la maison? Alors, pourquoi pas, parce que comme mon mari est très absent, comme vous le savez, ça me fera évidemment une petite présence pour les 200 jours où il n'est pas là pendant l'année.
pas drôle. Et paf. Et paf. Et voilà, prends ça. Non, mais j'ai... Oui. Oui, le message est bien passé. En même temps, là, avec toutes flippant. Les annulations, vous savez, je vais être assez longtemps à la maison, je crois. C'est exactement... c'était ma question suivante. Elle risque de vous voir un peu plus souvent, malheureusement, à cause de, là, des manifestations. J'ai eu 15 annulations cet après-midi de concerts, jusqu'au mois de juin même. C'est assez, assez troublant. On est bien sûr impuissant face à ce phénomène, on ne peut rien dire, il y a des phénomènes de... il y a des actions qui sont prises par les gouvernements. L'Autriche a décidé aujourd'hui d'annuler tout rassemblement de plus de 100 personnes. Pensez bien que quand on joue au Musikverein ou dans n'importe quelle autre salle, on est dans à peu près 2000. L'Allemagne fait quasiment la même chose, l'Italie c'était la semaine dernière, donc je devais être à la Scala dans trois jours, c'est annulé. Ouais. Et je prie pour que notre festival d'Aix-en-Provence, que j'anime avec Dominique Buzet et toutes ses équipes, puissent voir le jour. On est en train de tout faire pour essayer de contrer cette histoire de jauge, de faire en sorte que le public soit absolument en sécurité, de tout faire pour qu'ils aient de la place. Donc on invente des choses et j'espère de tout cœur que... Parce que je pense que c'est bien sûr essentiel de se protéger, c'est essentiel de contrer ce virus, mais la culture est essentielle. Il ne faut pas qu'on sombre dans une espèce de... J'ai très peur qu'on se retrouve enfermé chez soi et je crois vraiment que la musique, la littérature, la peinture, l'art de façon générale nous fera du bien. Et ça paraît toujours idiot de dire ça, mais j'en suis convaincu. J'en suis convaincu et donc j'espère que la musique pourra quand même s'exprimer. On va inventer. Moi, je suis. Vous allez trouver des solutions. On va trouver des solutions. Alors, on le voit, on le sent, votre appétit pour la musique est insatiable, comme a pu le constater également notre reporter, journaliste Karim Rarbache. Pour vous connaître un peu mieux, Renaud Capuçon, j'ai regardé un maximum de vos interviews et j'aimerais qu'on débriefe tout ça ensemble. Et premier constat, quand vous évoquez votre rapport à la musique, on se dit que vous êtes plus proche du chef étoilé que du chef d'orchestre. You know, I eat food and I, in a way, I drink music. À la base, vous commencez à travailler et vous êtes déjà sans matière grasse. C'est sain. Si demain je vous dis que je vais être cuisinier, je vous invite pas à déjeuner parce que vous pourrez rien manger. Cuire son pain et pétrir la pâte. Et ma préférée, attention, c'est sans doute celle-ci. When you have a raclette, you drink a lot because you are thirsty. Bon, je sais pas trop ce que ça dit de vous, à part que vous aimez bien la bouffe. En tout cas, c'est typiquement français. Ah oui. Et justement, à vous écouter, parfois, on dirait un homme politique français. En campagne. Je pense que les Français attendent depuis plus de 30 ans. Je suis cinéphile comme tous les Français. Les Français. Les Français. Et j'adore les Français. J'aime les Français. On est simplement trop gâtés en France. Les Français détestent les réformes. Je trouve qu'on parle pas assez de culture, d'aller plus vers les jeunes. Je crois qu'il y a besoin de dialogue. Oui, on a une responsabilité. Et forcément, bah, on vous pose des questions pièges. Renaud Capuçon, comment vous avez vécu, vous, ces dernières semaines, le mouvement des Gilets jaunes? Et parfois, des questions sorties de nulle part. Vous avez un peu répondu à la question que je vais vous poser maintenant avec l'histoire de la téléportation et de pouvoir assimiler un manuel. En 4 secondes et demie. Bref, revenons-en à la musique. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, vous êtes une machine. Je suis capable d'enregistrer 12 heures de suite sans pause s'il le faut. Je suis quasiment inarrêtable. J'ai moi-même porté chaque concert. Et ça, je l'ai fait seul. C'est moi qui suis responsable de tout. J'ai pas peur de la mort. Et enfin, j'aimerais revenir sur ces hésitations et petites précisions qui font tout le sel de vos interviews. Je suis assez fasciné par le... Comment dire Sauf que des fois, c'est vraiment abusé. Renaud Capuçon, bonjour. Bonjour. Alors première question, quelle est la plus grande émotion d'un musicien virtuose? Je dirais de... Je sais pas comment expliquer ça. Je trouve pas les mots, mais... Pas le côté... Je ne sais pas par quoi... Comment l'expliquer, mais... De dire que c'est un peu protestant, c'est pas le mot, mais une forme de... Merci Renaud Capuçon, merci de nous avoir accordé cette interview. Voilà, réalisé avec montage. Ah, il y a eu trucage. Bon, à peine. Alors, la plus grande émotion d'un musicien virtuose, rapidement, Renaud Capuçon. C'est le partage de la musique. Ouais. À partir du moment où on est connecté avec un interprète, c'est des moments incroyables. Mouvement perpétuel, une vie en musique. C'est chez Flammarion, c'est signé Renaud Capuçon. Je l'ai dévoré et à écouter en musique. Merci parce qu'il y a mille et une façons de s'accompagner musicalement en vous lisant, cher Renaud Capuçon. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.